Bienvenue les amis pour ce nouveau mobile home. Aujourd'hui on va tester en tout premier lieu Pocket Ants. Il est juste ici. Normalement tout fonctionne, le son, tout ça. Donc voilà, on va voir si c'est pas trop fort. Est-ce que je veux qu'il m'envoie des notifications? Non. Bruing. Eh oui, c'est fort. Calme-toi. Ok, alors le son lag. Il lag un peu. Et en fait, je suis en train de me demander si c'est pas à cause de mon setup ici, vu que tout est en Wi-Fi et tout passe par le Wi-Fi. T'as joué au casino ce week-end? Bon, alors attends. Déjà, je vais relever un petit peu cette tablette, parce que sinon, vous allez voir que le haut de mon crâne. Alors, allez, hop, simulateur de fourmilière, c'est parti. Allons voir si ce jeu est cool. Comment ça, souhaite se connecter à Google? Je veux pas me connecter, laisse-moi tranquille. Je joue en tant qu'invité. Regarde, il y a marqué invité là. Ah, voilà. Si on n'a pas envie, on n'est pas obligé, c'est tout. Bonjour, tiens, un jeu de fourmis, c'est marrant. Je fais de l'élevage de fourmis IRL il y a quelques années. Eh bien, nous, on fait de l'élevage de fourmis aussi chez nous. C'est pour ça aussi que je voulais voir un petit peu comment était ce jeu. Comment est la musique? Ça va? Vous énerve pas trop? Ça fait 2 minutes déjà, me casse un peu les oreilles, je trouve. Mais bon, ne nous arrêtons pas à ça. Alors, enchantée de te rencontrer, invitée. Tu es la première ouvrière de la colonie. Oh, on incarne carrément les fourmis? Vraiment? Suivant. Nous devons commencer par construire la chambre de nourriture. Ok. Construis la chambre de transformation de nourriture en utilisant le menu colonie. Le menu colonie est ici. Ok. Construire. 15 secondes. Parfait. Nous allons maintenant chercher de la nourriture pendant que la chambre se construit. Suivant. Va à la surface et sors de la fourmilière. Explore le monde extérieur. Alors, oui, pour ceux qui ne le savent pas, je le redis, les jeux, je ne les teste pas avant. L'intérêt, c'est ça, c'est justement de le découvrir avec vous et de voir tout de suite les premières impressions, si ça nous donne envie de continuer le jeu ou pas du tout. Ok? Alors, amélioration terminée. Donc là, il veut qu'on aille dehors. Il veut qu'on aille explorer. Construis la chambre de transformation de nourriture. Hier, on a gagné 2 petits diamants. Ok. Très bien. Je vais fermer cette fenêtre. À l'aide. Casse-toi. Au secours. Ah, faut recliquer sur le petit bouquin quête. Pardon. Excusez-moi. Oh. Ah bah oui, c'est la reine. Oh là là, je suis la petite fourmi, c'est trop bien. Vite, vite, allons explorer. Attends. Attends, on va explorer. Connectez-vous pour enregistrer les progrès en ligne. Ok, bah c'est ça la diff. Ok, donc ici, c'est un cul-de-sac. Ici, on ne sait pas ce que c'est. Yay, nous voilà dehors. Trop bien. Tu dois être prudent là-haut. Il y a des prédateurs et des fourmis ennemies t'attendent au tournant. Ah oui, il faut savoir que normalement, dans les colonies de fourmis, même si c'est la même espèce, si c'est pas la même reine, elles sont pas copines. En l'occurrence, nos messeurs barbarus qu'on a, voilà. Après, il y a des fourmis ultra-invasives, comme celles qu'on a, malheureusement, qui sont arrivées ces derniers temps dans le sud de la France, qui, si leur reine meurt, vont aller squatter chez les autres en disant « Eh, dis donc, on est cousines, on peut venir !»« Ouais, pas de problème, il y a de la place, vas-y, viens, fais-toi plaisir. » Voilà, donc là, ils préviennent que normalement, les bonnes fourmis ne font pas copine, même si elles sont de la même espèce. Oh, il y a une mini-map avec une araignée en haut à gauche, vous voyez? Ça ramouille un peu, mais c'est ok. Ah oui, on a des pertes d'image ou... Ou quoi?
Oh, ça a l'air d'aller. Salut, Grishkanov. Elle casse la tête, la musique, un peu, hein, on est d'accord. Hein. Je pense qu'on va l'arrêter comme ça et on va se mettre un petit fond sonore à nous. Ça va. On est au moins deux, ça me suffit. C'est validé, Blade. Hop. Voilà. Vous sachez que vous pouvez jouer avec votre propre musique. Voilà. Premier point un peu négatif du jeu. Après, tu peux le couper, hein, tout simplement dans les options, je suppose. Alors, donc, eh ben on y va. Suivant. Paf. Maintenant, cherche une feuille à collecter. Tu peux utiliser la mini-carte pour t'aider à la trouver. Ok. Donc, on voit la feuille, mais on voit aussi qu'il y a un prédateur. Alors, il va falloir faire gaffe. Une fois trouvé, collecte-en un morceau en utilisant le bouton Select et ramène-le à la fourmilière. Ok. Donc là, on va essayer de ne pas crever. On voit le pattern de notre ami là. Select. C'est où Select? Là. Select. Ça. Récolter. Ok. Et maintenant, vite! Rentre à la maison. Nickel. Trop bien! Après, c'est sympa, ça va avec le jeu, mais au bout de 30 minutes, t'as envie de mourir, c'est ça. Bien, maintenant, dépose le morceau de feuille dans la chambre de nourriture. Allons-y. Est-ce que la chambre de nourriture, du coup, c'est là, c'est là. Bah, de toute façon, il n'y en a pas 1000. Hein. Voilà. Comment je fais pour déposer? J'ai loupé un truc. Ah non, là, déposer. Ok. La fille qui panique direct. J'ai pas vu, j'ai pas compris. Tu viens juste de fabriquer ta première nourriture. Prends le champignon et apporte-le près de la reine. Petit champignon, bien sûr. Select. Champi. Prendre. Nickel. Ouvrière 130, 100. Merde, comment ça s'appelle celle dans 143, non? Ouvrière 143 au rapport. Déposé. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu les fourmis, je me souviens plus comment elle s'appelle la première. 153, je crois. Je me souviens plus. Bref. Une copine! Putain, elle est née bien bien vite. Hein. Normalement, ça se passe pas comme ça. Hein, mais pour ceux qui savent pas, ça se passe pas vraiment comme ça. Hein. Normalement, voilà. Les autres fourmis s'en occupent, les bichonnent jusqu'à temps de les faire naître. Hop. Une nouvelle ouvrière est née. Nous devons lui assigner une tâche à effectuer. Pour ce faire, ouvre le menu des ouvrières. Tu seras en mesure d'attribuer des tâches à des ouvrières. Ok. Alors, le menu des ouvrières est juste ici. Ok. Fais récolter au nouveau-né des morceaux de feuilles et fais-lui les rapporter à la chambre de culture, juste comme tu l'as fait auparavant. Ok. Utilise le deuxième pour assigner à l'ouvrière cette tâche, puis confirmer. Ah, on peut leur donner des tâches automatiques? Donc, ça. Et je fais ça. Confirmer. Donc là, normalement. Ok. Oh, apparemment, la fourmi ne sait pas où est la source pour récolter les feuilles. Donc, il faut qu'on l'emmène. Nous devons attribuer une feuille comme source à partir de laquelle les ouvrières pourront récolter. Ok. Pour cela, retourne à la surface, sélectionne une feuille, appuie sur le bouton source. Où est le bouton source? Est-ce qu'on le voit là? On ne le voit pas pour l'instant. On le verra tout à l'heure, je pense. Ok. Mais du coup, ah oui, on joue toujours la même. Donc alors, attends, on retourne à la surface. Pouet, nous voici dehors. On retourne vers notre feuille. Ici. Et là, il y a un bouton source. Tu vois source. Ah, si je fais select, pas du tout. Oh, ça marche pas. Attends, j'ai loupé un truc.
Pas du tout. Il est où le bouton source? Pas de source de feuille sélectionnée. J'ai bien compris. Il y a marqué de cliquer sur le bouton source. C'est y a que moi qui bug ou... Ah bah voilà. Bah, j'avais cliqué sur la feuille pourtant. Source. Source, on t'a dit. Pardon, j'avais du mal cliquer. Parfait. Maintenant, ton ouvrière va récolter des morceaux de feuilles jusqu'à ce que tu lui assignes une autre tâche. Souviens-toi que tu dois définir chaque nouvelle ressource comme source ou en choisir une nouvelle quand une est épuisée. Trop bien. Termine les premières tâches du menu des quêtes et nous nous reverrons lorsque tu auras amélioré la chambre royale. Nice. Oh, ce jeu va me plaire. En avant! Alors, regardons les quêtes tranquillos. Alors, construis... La... Ouais, ça c'est fait. Apporte une feuille, c'est fait. Réclamons notre... voilà. Produit deux fourmis ouvrières. Alors, bah, pour ça, il faut ramener des champis à la reine, si j'ai bien compris. Et comme là, lui, il vient... Paf! Sélectionner, sélectionner, prendre, voilà, de nous ramener des feuilles pour faire des champignons, hop, mais viens par là toi aussi, c'est moi qui ne sais pas déposer, on est en dessous de la reine, c'est pas très gentil, pouf, elle pond, c'est trop bien, vas-y je m'occupe de toi, comme ça tu grandis. Enfin, c'est ce qui se passe en vrai, normalement. Et sachez, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que la reine, c'est pas la reine qui pond. Enfin, c'est la reine qui pond, mais c'est pas la reine qui décide ce qu'elle pond. En fait, c'est les fourmis ouvrières qui s'occupent de les bichonner, qui va dire « on a besoin des grosses ». On a besoin des petites, on a besoin des reines, enfin des princes et des princesses pour faire l'envol saisonnier, etc., etc. C'est fou. La reine est nulle. Donc là, par exemple, si on fait ouvrière, on va lui dire aussi de faire pareil. Confirmer, par exemple. Comme ça, on en a deux et on a plein de champignons. Quête. Ça, c'est bon. Réclamer. Réclamer. Ok. Construit la chambre de stockage de feuilles. Ok. Alors. Colonie. Pardon, j'ai cliqué trop vite. Alors, transformation. Ici, stockage de feuilles. Construire 30 secondes. Requis 10 champis. Ah! On en a 7. C'est bon. Ça va bientôt arriver. Et ben du coup, peut-être, on va optimiser. On va aller chercher un champi. On en prend un, comme ça, voilà. Hop. Sélectionner. Prendre. Comme ça, on construit une autre ouvrière. Salut les nouveaux, installez-vous. Je vous accueille dans une seconde. Je nourris ma reine. Déposez. Comment ça? Je lui ai pas déposé à côté, du coup elle l'a pas mangé? Oh, ne me dis pas qu'il a des pop, totalement. Attendez, je vous dis bonjour. Salut Zarkiel, merci beaucoup pour ton raid. Comment vas-tu? Que faisais-tu de beau? Ah. On va lui déposer à ses pieds. Installez-vous, salut, je m'appelle Sibou, je suis comédienne voix off, tout comme les Zarkiel. C'est mon métier à temps plein depuis. Hop, déposé. Voilà, c'est mon métier à temps plein depuis bientôt 10 ans. Et je vous fais découvrir ça sur Twitch et plein d'autres trucs aussi, notamment bah, le lundi. Un lundi, on fait de la cuisine. Un autre lundi, on découvre des jeux mobiles. Et là, aujourd'hui, c'est un jeu mobile de gestion. Un jeu de gestion de fourmilières. Si vous êtes passionné de fourmis comme moi, et ben, il a l'air trop cool. On vient juste de le commencer. Et c'est très très cool. Bienvenue à vous. Je jouais à Blasphemous, un jeu très sympa, mais ma manette est cassée donc j'arrive pas à avancer. Ah, c'est un jeu de quoi? Salut Oronra, ça va?
Et bienvenue à tous les gens qui sont là, hein. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, surtout. Et après, vous pouvez retourner dans l'ombre, tels les Batman qui agissent tapis dans l'ombre. Alors, donc, il nous faut 10 champis. Donc là, elle ramène une autre feuille. Donc, je pense que ça va être OK. Ça va être OK. Ensuite, on va pouvoir... Oh, c'est trop bien! Par contre, et peut-être et après, il faut aller explorer. Donc, ça y est. Ça y est, ça y est. Donc, la colonie. Hop. Hop, Pourquoi vous essayez de réveiller Cryptage? Elle est en train de monter son PC. Laissez-la tranquille. Je vais d'elle ce jeu. Franchement, il a l'air trop bien. C'est un genre de Metroidvania. Je sais pas si tu vois. Pas du tout, Zarkiel. J'ai pas la ref. Je suis navrée. Il a parlé de JSEV. Je suis tout triste maintenant. Pourquoi, Monteka? Je sais. J'irai streamer chez vous. C'est une émission que je faisais une fois par mois avant le Covid. Et que j'ai arrêté malheureusement. Mais voilà. Nous reprendrons dès que ce sera plus trop la merde. Et sinon, bah, je vous invite à aller voir plein d'autres chaînes sur lesquelles il y a des interviews super, telles Hughes, voilà, par exemple. Salut Guette, ça va? Une grande carte avec plein de zones et d'objets à débloquer pour te situer, c'est un Ori Danzu, un univers beaucoup plus dark et en pixel art. Ok. Donc ça y est, on a construit notre petite chambre de stockage de feuilles. Donc ça, c'est bon. On va aller voir les autres quêtes qu'on doit faire. Donc là, hop, je réclame ma récompense, s'il te plaît. Merci bien. Améliore la chambre de nourriture au niveau 2. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la chambre au niveau 2? Donc déjà, on clique sur colonie. On vient là, améliorer, requis, faut 10 feuilles. Ah oui, mais alors attends. Pour ce faire, on va dire qu'il y a deux fourmis qui font ça. Et une qui fait ça. Voilà. Ah, mais il y en a déjà une qui stockait les... Oh, il stockait déjà des feuilles. Incroyable. Alors qu'à la base, je lui ai dit d'aller faire des champis. Je lui ai pas dit d'aller stocker des feuilles. Est-ce qu'on n'emprunterait pas un petit champi? Moi, je dis, on emprunte un champi. Comme ça, on va faire une nouvelle copine. Plus il y a de monde, plus on a besoin de monde. C'est la logique. Déposer. Allez, grignote-toi. Pendant ce temps, on va aller explorer dehors pour voir s'il n'y a pas une autre zone. Parce que peut-être que la zone où il y a les feuilles, elle va finir par s'épuiser. Oh, il y a surtout une autre... Oh là là! Mais il y a des points rouges à côté. J'ai peur. Oh, c'est les fourmis rouges. Oh, ça va être la baston aussi. Oh là là! Oh, c'est bas... Non! Oh, voilà. Ok. C'est bien, c'est vachement réel. C'est réaliste au moins. Non, allez se faire attaquer par les fourmis rouges. Allons. Bon, on va aller voir ailleurs, d'accord? C'est quoi? C'est la mer? Ah non. C'est le bord de carte. Ah si, c'est l'eau. Si, il y a de l'eau. Alors, attends. Attends, t'as un truc recruté. Eh ouais, autant après, faut aller fabriquer des fourmis qui vont combattre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Sélectionner. Ça. Prendre. Je sais pas pourquoi j'aurais besoin de ramener une pierre, mais on sait que c'est là. D'accord? Non, mais on veut pas la prendre. Enfin, on est obligé de faire prendre, d'accord. Et on va la rapprocher, c'est jamais. Des fois que ça nous serve, au moins ce sera plus près. Ok? On va mettre à côté. On va mettre là. Déposer. Hé, il a l'air trop bien ce jeu. Trop bien. Dirige les fourmis, carrément. Mais oui. En fait, t'en fais une, après tu fais naître les autres et tu leur assignes des tâches et tout, chacun. C'est trop bien.
Là, j'explore un peu pour voir s'il y a d'autres. J'ai trouvé des amandes, mais il y a les fourmis rouges qui sont dessus et elles m'attaquent quand j'y vais. Donc, Y aller avec plus de fourmis. ouais, et là, il y a une araignée, donc on va s'éloigner aussi. Ça, c'est quoi? C'est rien du tout. Ah mince, mais. Non, déplacer. Ah oui, ok. J'aurais pu faire juste déplacer tout à l'heure. Okay, donc là, pour l'instant, tu vois, ils sont en train de ramener des feuilles, voilà, dans la fourmilière, qui est juste ici. Pouit, on va re-rentrer dedans. Elles en stockent un peu ici. Okay. Elles en stockent là pour les transformer en champi. Et là, on a notre amie la reine avec une fourmi qui n'a pas de tâche. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va assigner une tâche. Genre, bah, elle va ramener des feuilles. Allez, go. Nous, on va prendre des champs. Oui. Et à la fin, elle veut des champignons. La reine, allez, tu lui donnes un champignon et une fourminette. T'as plein de champignons. Eh oui? Ben, produit de la fourmi. Ben oui, c'est ce que je viens faire, mais tranquille. J'étais en train d'explorer les alentours pour voir si on a, pour pas qu'on manque de ressources de feuilles, pour pouvoir faire des champignons en boucle. Regarde. Hop. Déposé. Assigner une fourmi à qu'elle ramène des champignons à la reine. Est-ce que il y a ça comme tâche? Je sais pas, je te demande. Mmh, Oui, nourrir la reine. Et oui. ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. On va Voilà. la nourrir en permanence. Oh là 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 là. Nourrir. Eh ben, on va assigner la Pour prochaine. attaquer les fourmis rouges. Pour attaquer les fourmis rouges. Drodro, il a déjà un plan machiavélique dans la tête. C'est la truc d'après. Là, nourrir la truc, la tâche d'après, c'est aller récolter des trucs. Ah Mais bah s'il y a c'est des fourmis sûr et rouges, certain. il faut mettre plein de fourmis à gagner. D'ailleurs, le monsieur, il vient de nous parler, on a loupé, non? Fourmis rouges, ça fait mal. Tu lui donnes un champignon, une fourminette. D'accord. Alors attends, on va l'assigner, elle, à faire des ouvrières. Hop, confirmé. Allez, go. Tâche des ouvrières mise à jour. Attends, mais le gars nous a dit un truc, du coup, on a loupé, je crois. La chambre de stockage des feuilles produit 10 fourmis ouvrières. Alors, t'as une fourmilière chez toi, Oronra, ou pas? Bah, une créature. Là, produit une fourmi soldat. Attendez. Pourquoi il y va pas, lui? Pourquoi il y va pas tout seul? J'ai l'impression qu'il veut pas le faire. Confirmé. Elle le fait pas très bien. Ici, on lui. Peut-être je lui ai dit trop vite de faire ça. Genre, j'ai pas le droit en fait. On va lui dire de faire des feuilles. Elle, là, elle veut bien. On est allé trop vite pour le jeu. C'est pour ça. Alors attends, c'était pas améliorer la chambre. Améliore la chambre de nourriture au niveau 2. Il faut 15 feuilles. Voilà, bah on en a 16. Donc c'est ok. Colonie. Non, 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 non. Améliore la chambre de nourriture au niveau 2. Une minute. Attends, je ne me suis pas trompée. Quête. Améliore la chambre de. C'est bien la chambre de nourriture. Hein. J'étais pas sûre, excusez-moi. Hop! Chambre de nourriture, une minute, pouette. Évidemment, là, à partir de ce moment-là, il commence à te proposer de dépenser des diamants si tu as la flemme d'attendre. Mais ça, c'est normal. Non, c'est juste que la reine n'a pas faim, apparemment. Tout à l'heure, tu avais une bulle qui affichait le champi pour la reine, mais là, non. Oh, j'avais même pas vu, Guette. Ah ouais, c'est vrai ça. Ah, mais je crois que tu t'en voulais tout le temps, moi. Oh. Ok. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans les quêtes? Faut qu'on surveille, hein, parce qu'on a un autre jeu à tester après. Hein. Moi, je suis capable de passer toutes les missions sur ce jeu.
Mais l'autre a l'air trop trop bien aussi, celui qu'on va faire juste après. Alors, produit 10 fourmis ouvrières, bah, je vais le faire à la main. Ah bah non, je peux pas, puisqu'elle n'a pas faim. Ok. Améliore la chambre de nourriture niveau 3. On va regarder ce qu'il faut pour faire ça. Construit la chambre de graines, de stockage de graines. Il faut 10 feuilles, on en a 12. Ok. La reine, elle veut bien des champis. Donc, on va faire ça. On va le faire nous. Hein, on n'est pas des feignasses. Les fourmis, c'est pas des feignasses. Paf, on prend ici. On amène un champi à la reine. S'il y a bien un truc que j'aime dans les fourmis, c'est l'esprit de collectivité et non pas l'individualité. Ça change tout. Hop, donc ici, on peut réclamer notre récompense. Ici, nickel. Produit 10 fourmis ouvrières. On a la prochaine, si la reine a faim, on va la mettre... voilà, on va la mettre à faire des trucs pour la reine. Alors, hop là, vas-y. Allez, et là, elle y va. Bien joué, Guette, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Alors, la chambre pour faire les graines, pour stocker les graines, il faut 25 champis et 25 feuilles. On est à un champi de construire notre zone de stockage. Après, peut-être tu peux la gaver manuellement. Je pense pas. Je pense que la petite fourmi qui est chargée de faire ça, à mon avis, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. La pondeuse automatique est chaude. C'est parti. Allez, le champignon. Go le champi. Hop là, construire. Allez, construire, on t'a dit. Dans une minute, on a une nouvelle chambre. Oh, il y a un petit marteau pour dire que ça construit. Alors, il y en a une qui fait rien. Vite, il faut lui dire de faire des trucs. Genre, ramener des feuilles. Faire des champis. Voilà. Tu fais... Pourquoi je peux pas? Ben ça, c'est vachement sympa. Attends. Ah, voilà. Confirmé. Hop. Merci Django, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton 20e mois de sub. Comment vas-tu? L'ouvrière sera dans les starts dès que la reine aura faim. Elle lui donnera un champi. Exactement. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Ça y est, la machine de guerre est en marche, la fourmilière. Oh, c'est si bien. Alors, ça c'est fait. Les 10 ouvrières, on est en route. Améliore la chambre de nourriture niveau 3. Il faut qu'on aille regarder qu'est-ce que ça fait. La chambre de stockage de graines, on est dessus. Allez, réclamer. Hop, c'est bon ça. Produit 15 ouvrières. Attends, on va faire la chambre nourriture niveau 3. Améliore la chambre royale au niveau 2. Ah oui, c'est jusque là. Et pour ça, il faut des graines. Mais les graines, il va falloir aller attaquer les fourmis rouges, là. On va avoir un sérieux problème, monsieur, dame. Attendez. Hop. Allez, fais des trucs. Genre, ramène des... Fais des champignons. Tiens, parce qu'on a besoin de champignons pleins. On a tout dépensé pour construire l'autre chambre. Faut voir comment créer des warriors, ouais. Mais attends, il y a marqué armée là, on n'a pas du tout regardé. Et voilà, produire, faut 15 champignons, apparemment. Oulala, oulala. Non mais on peut pas. On peut pas quitter sans avoir testé ce mode. Améliore la chambre de transformation de nourriture pour produire plus de fourmis. Ok. Attends, il y en a plein qui font rien. Au secours. Confirmé. Allez-y, les meufs. Oui, viens, nous, on va améliorer cet endroit. Ok. Et on nous a dit qu'il fallait quoi pour l'améliorer? Je sais plus. Hop. Tac, 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 tac. 25 feuilles, on les a. Allez, 3 petites minutes à patienter, c'est rien du tout. Faut restock des champis. Bah ouais, je fais ce que je peux, hein. Peut-être que après je vais donner... Je vais dire à elle qui fait plein de... Ah oui, mais on n'a plus de feuilles non plus. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. Ouais, je dis... voilà. Après, peut-être que Micheline qui produit des ouvrières... Voilà.
C'est ça. Ah, mais elle était bloquée parce que la chambre de nourriture était pas assez grosse. C'est ça le truc. C'est pour ça que tout à l'heure, on pouvait pas faire pondre un plus. C'est parce que la chambre de nourriture était pas assez grosse, donc elle voulait pas faire des bébés en plus. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Alors, du coup, eh ben, celle qui est censée faire les bébés, là, hop, tu vas faire des champis. Voilà. Paf, hop là. On réassigne. Hop, ici, on réclame la récompense parce qu'on est à 10. Ok. Chambre niveau 3, c'est en cours. Stockage de graines, c'est fait. 15 fourmilières, c'est fait. Chambre royale au niveau 2. Mais il faut 15 graines. Je pense que là, le mec va venir et va nous dire, t'inquiète, poteau, faut faire ça. Il nous faut des champis. Attends. Ah! Si je fais ça, produire. Améliore la chambre royale pour produire des soldats. Ah! Ah! Go! Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la chambre royale? Elle est où la reine? Elle est là. Il faut. Ah, il faut 15 amandes. Ça veut dire qu'on va être obligé d'aller taper les fourmis avec des petites ouvrières. Ah là 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 là. Si on est obligé de. Ça va. Je pense que la guerre va être très rude, je pense. Vraiment. Donc, Lily Rose vient de te mettre les sous-titres, mais apparemment ça ne marche pas. Ah si, c'est bon. Ça va. Ok. Et merci de m'y avoir fait penser. Du coup, comment ça, Pidoum? Laisse-moi tranquille, Kaspersky. On t'a rien demandé. Merci beaucoup. Alors, du coup, c'est bientôt la fin du test. Vite! Je voulais aller faire la bagarre, moi. Tant est-ce que c'est fini d'améliorer, là, le niveau 3? On en est où? Hop, 13 secondes. Allez. Hop, du coup, on ouvre ça pour pouvoir faire ça. Yay. Hop, ça. Et on remet quelqu'un qui s'occupe de la reine. Allez, go. En avant. Et puis là. Attends, je vais quand même essayer d'y aller et voir si je meurs pas. Autant je vais pas mourir tout de suite. Hein. Même s'il y a la soldat qui est venue un peu m'attaquer, moi je dis baston quoi. Eh non, ils sont passionnés par l'histoire des fourmis, les roses. Tout le monde est très attentif, c'est pour ça. Ah mais, oh, ils ont tout bouffé surtout. Ah non, c'est bon. Si je viens en screen comme ça là. Ah ah! Ah non, autant il m'attaque pas. Attendez, 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 attendez. Hein. On va. Attendez. Hein. Il y en a une qui fait rien. Est-ce qu'on peut lui dire d'aller faire ça? Confirmer. Et ensuite, on va faire comme ça. Elle nous attaquait pas en vrai. On peut partager, ça va, c'est bon. Sélectionner ça, source. Là, normalement. Hé, non. Mais elle va se faire attaquer. Oh, elle est morte. Ah bah d'accord. Oh non, la pauvre. Je suis désolée, je voulais pas. Désolée. Oh non, je suis si triste. Mais où est-ce qu'on trouve des amandes? Comment veux-tu qu'on améliore? Comment veux-tu? Bon, bah du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Fais des feuilles. Non, fais des champis. Voilà. Fais des champis. Oh. Qui va à 10?
Tu ninjas le plus de graines que tu peux, hein, c'est rien, mais faut y aller à plein, elle pourra pas tuer tout le monde. Ah! Oh là là, tu la kites un peu bon, t'en envoies deux ou trois. Attends, je ramène un max de bouffe. Et là, effectivement, toutes les nouvelles, on va attendre d'en avoir deux, trois là. De toute façon, normalement, on va en avoir cinq. Parce que... Attends, rentre dedans, toi. Normalement, voilà, elle lui ramène à bouffer. Paf, paf, paf. Je vais l'aider un peu. Paf, paf, prendre. Ok. Tac, 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 tac. Déposer. Comme ça va vite. Ça va plus vite, en train de pondre. Celle-là. Hop, sélectionner. Tac, prendre. On y va. Ah, oui, bon, bah d'accord. Ça va. Je dépose. Oh, mais là, il n'y en a pas 5 inactives. Il n'y en a que. Il n'y en a que 3. Vous êtes prêtes, vous? Allez, moi je dis, je vous attends dehors et je vais vous dire d'y aller, d'accord? Hop, on envoie les trois là-bas. Un, deux, trois. C'est parti. Go! Je reste un peu en retrait. Et on y va. Prends-en deux au champi, tu crois? Vite, j'ai la pression. Tac, 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 tac. Confirmé. Allez. Go les meufs, go. Vite, 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 vite. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Regardez. Regarde. La 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 la. Va pas me lâcher. Elle va pas me lâcher. Je veux pas mourir, moi. Mon perso. Mon perso principal, c'est bon. Il y en a une qui est morte quand même, non? Dans le tas. Allez là! C'est bien joué ça! Bonjour, Téliam! Bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton raid! Qui es-tu? Je ne te connais pas. Quel enfer! Attendez. Attendez. J'aide mes fourmis. Attendez. Pour pas qu'elles meurent. C'est bon, t'as réussi. Non! Non! Deux sur toi. Regardez, je suis là. Je suis là. Venez, venez me tuer, moi. Venez me tuer, moi. Oh là là, mais il y en a tellement qui meurent. Regardez. C'est moi la méchante. Nanana, nanana, nanana. Allez, prends-la ton amende, là. Voilà, nickel. Hop, hop. Hop là, personne n'a rien vu. En fait, après, à partir du moment où peut-être il y en a... hop. Récupérez les coffres. Bonjour. Attendez, je vous dis bonjour proprement. Qu'est-ce qui se passe? Vole la bouffe. Voler cette chaîne! Bienvenue tout le monde! Telly Red! Bonjour Spider Meteor! Bonjour Melly Shadow! Bonjour Warred! Bonjour Griffon Heart! Salut le petit viewer! Salut Ocool 14! Bonjour Telliam du coup! Craftdit, bonjour! À qui j'ai pas dit bonjour? Shy Boy! Si j'ai forcément oublié des gens! N'hésitez pas à me taguer dans le chat, bienvenue à toi. Que faisais-tu de beau? Installez-vous. Salut Oracti. Spider Meteor, bonjour. Eh bien, sachez que ici, c'est lundi. Lundi, c'est soit cuisine, soit émission des jeux mobiles, Mobile Home. Eh bien, du coup, bah, c'est Mobile Home, hein, pour le coup. Et hop là, ils sont plus que deux. Là, il y en a deux qui meurent en fait à chaque fois si je ne surveille pas. Et du coup, mais on va y arriver au fur et à mesure.
Du coup, là, on est sur la fin de ce test-là, parce que normalement, les jeux, je leur donne à peu près 45 minutes pour voir s'ils nous donnent envie d'y jouer à nouveau. Non, 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 pas moi ! Pas... Pas moi ! Non, regarde, j'ai revécu. Le jeu est gentil. Il me fait revivre instantanément. Le jeu est sympa. Ah, oh, ça c'est gentil, hein. De toute façon, dans la vraie vie, ça aurait été comme ça. Celle qui part en éclaireuse, elle meurt, elle se sacrifie pour la communauté. Et puis, il y en a une autre qui va reprendre son taf. Voilà. Ça coûte 8 champis, la mort. Mais toi, t'as le temps d'observer des choses pareilles, c'est pas possible. Le mec est trop... Voilà, paf. Allez, hop. Ça coûte 8 champis de mourir. Ok. Ah, on n'a plus de place... On n'a plus de place dans la chambre des feuilles. Il faut l'améliorer pour 25 champis. Améliorons. Voilà. Et l'amélioration de la chambre royale... Oh, mais moi, je voulais... Bon, on peut faire un tout petit peu plus longtemps, d'accord ? Plus que 5 graines et à nous les soldats, exactement ! Du coup, copine... Ah, mais si elles y vont... Faut que je les envoie 3 par 3. Vas-y, meuf, tu vas y aller en même temps que tes potes. Regarde, comme ça, vous êtes à 3. Je viens avec vous. Je viens avec vous, comme ça... si je peux... faire peur un petit peu aux autres fourmis. Salut! Vous venez m'attaquer à moi? Regardez. Ouh, c'est moi qu'il faut attaquer. Ça, ça va. On n'a pas de soldats pour l'instant. Allez, les meufs, allez. Allez, les trois. Il nous en faut 3. Il nous en faut 3, il nous en faut 3. Ta-da! Il nous en faut 3. Allez! Oui! On les a. Trop bien! Rentre. Non, rentre à la maison. Ok, on va pouvoir améliorer la chambre royale. Tiri, tiri, tiri. Attends, alors les nouvelles, on va leur dire de faire des champis comme ça. D'accord. Ensuite, on va améliorer la chambre royale. Peut-être on ne peut pas faire deux trucs en même temps. Si, allez, améliorer. Go. Combien je sais ? Alors, pendant que ça, ça fait... On va aller explorer un petit peu juste les menus du jeu. Comme ça, on voit où ça peut nous emmener. Et voilà. Isaou, bonjour, bienvenue. Je suis full feuille. Mais oui, je sais, je suis en train d'améliorer la chambre qui stocke les feuilles pour pouvoir avoir de la place. Alors. Donc, bon, ça, vous avez compris, c'est le menu des quêtes. On est content. Là, le menu des armées, on va le débloquer dans pas très longtemps pour produire une armée. Donc, on va également voir comment ça marche. Là-haut, donc, on a bien compris que c'était nos stocks. Donc, de champignons, de feuilles, de graines et de pâtes d'araignée, hein, manifestement. Ok. En bas, c'est le menu pour déplacer ta fourmi ou pour sélectionner quelque chose. Voilà, tu navigues de l'un à l'autre. En fonction de ce que tu veux faire. Oui, il faut améliorer la chambre de transformation de nourriture également, parce que sinon, on ne peut pas avoir une colonie plus grande. Il faut 50 feuilles, on en a 50, ça tombe bien. Paf, on fait ça aussi dans le même temps. Par contre, j'ai mis plus personne aux feuilles, si on a toujours 3 personnes qui sont aux feuilles. Donc, là-haut, les stocks. À gauche, là, tu as ton total. Amélioration terminée, yes. T'as ton total de fourmis, donc la reine, le nombre de fourmis total, le nombre d'ouvrières, le nombre de soldats. Et moi, je suis joueur, évidemment. Ça, c'est pour faire les améliorations de chacune des salles de ta fourmilière. Ici, c'est pour assigner les fourmis à une tâche. Donc là, on en a 2 nouvelles. Donc, paf, elles vont aller... faire des feuilles, parce que là on vient de se séparer de toutes nos feuilles. Et ensuite, en haut, on a fourmi rouge 79. Donc ça, ça doit être le nombre de personnes qu'il y a dans la colonie d'à côté.
la population de la colonie de fourmis rouges à côté qui ne sont pas nos amis. Ne sont pas nos amis. Ok. Voilà. Ensuite, dans options, qu'est-ce qu'on a? Alors, la musique. Pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, la musique n'est pas celle que vous entendez derrière, évidemment. Je vais vous remettre la musique un instant. On s'est dit que non. Alors, pas qu'elle soit nulle, mais au bout d'un moment, en boucle, c'est chaud. Voilà. Hop. Donc, on s'était mis une petite musique chill. Ok. Désolée, je dois aller dîner, je dois partir. Bonne soirée, pas de soucis. Isamou, à la prochaine. Salut, Mister Nose. Les insectes sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Et oui, insupportable sur le long terme, exactement. Je vais faire à manger, mais je laisse le stream en fond. Bonne soirée à tous, gros bisous. Je repasserai sans doute si Stargate SG1 ne me happe pas. Salut Teliam, bonne soirée à toi, bonne cuisine en tout cas. Alors, maintenant que tu as amélioré la chambre royale, nous pouvons enfin produire des fourmis soldats. C'est parti. Essayons. Produis une fourmi soldat depuis le menu armé. Il t'en coûtera 15 de nourriture par guerrier. Bien cher. Améliore la chambre de transformation de nourriture pour produire plus de fourmis. On sait déjà, c'est en cours de route. Il y a un Discord, incroyable. Donc là, on était dans le menu, avant qu'il nous dise ça, on était dans le menu des options. Donc la musique, les effets sonores. Ah, peut-être tu peux juste désactiver la musique. Voilà. Voilà, comme ça, tu as juste les effets sonores. Ok, ça peut être cool. Oui, on a compris. Montrer quête terminée, là là là, en français, ok. J'ai fait sortir, ça ne va pas me faire sortir du jeu. Si, totalement. Voilà, j'étais pas sûre. Attendez, on n'a pas tout fait. Oh, je sais ce que ça a fait. Je n'ai pas créé de compte au début. Et donc, du coup, c'est mort. Ne me dis pas qu'il se passe ça, si tu fais ça. On peut... Non, ça va. Total 2 ? Comment ça, total 2 ? Eh bien, si. Voilà. Donc, d'où l'intérêt. Et ça va marquer la fin de notre... Ça va marquer la fin de notre test sur ce jeu. Donc, j'ai adoré. Mais faites-vous un compte parce que sinon, évidemment... Toute progression sera perdue. Donc comme ça, vous découvrirez tout seul comme des grands comment on fait une armée. Je suis dégoûtée, je voulais le faire avec vous. Oh, tant pis. C'est la vie, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi ce numéro. Je dis ça pour les gens qui vont regarder la rediff sur YouTube parce que le jeu était tellement bien que celle-là, oui, elle sera en rediff sur YouTube. Bisous YouTube, merci beaucoup.